Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je voudrais parler de la prophétie de Dieu. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de l'univers, de Dieu vainqueur par excellence. Quand il donne une parole, il accomplit toujours ses promesses, frère. Longtemps, Dieu a dit que tu devais voyager. Ne perds pas espoir. Dieu, quand il parle, il réalise ses promesses. Longtemps, tu devais te marier. Tu es découragé. Ton âge commence à être avancé. Mais laisse-moi te dire, Dieu accomplit ses promesses. Quand Dieu donne une promesse, c'est pour que tu ranges ta vie. C'est pour que tu t'accroches à lui. C'est pour que tu t'agrippes à lui. C'est pour te dépouiller de ton vieux manteau, enlever ce qui ne confesse pas son nom et puis te donner une nouvelle vie, frère. C'est pas parce que Dieu a dit que tu dois te marier que tu vas sortir tous les hommes de la nation. Tu vas te souiller le corps. Ma soeur, fais très attention aussi à ta vie. Dieu a dit, c'est vrai, rien ne lui est impossible, mais apprends aussi à le respecter. Apprends à te comporter sagement devant lui pour que lui aussi il ait compassion pour réaliser sa promesse. Ni le Fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplisseur. Frère, ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il va te rendre un homme de pointe, un homme grand, que tu vas te permettre d'aller faire des choses qui ne confessent pas son nom, aller ôter la vie de l'homme, aller faire que du mal. Quand la prophétie, tu ne vas pas voir la prophétie s'accomplir, tu vas trouver Dieu de menteur. Dieu, quand il donne une prophétie, il a ses conditions. Frère, il est très important de ranger notre vie. On est très jeune, mais il est très important de ranger notre vie. Car c'est très important de chercher la face de Dieu de nos jours, frère. Dieu a dit des grandes promesses dans la vie de certaines personnes. Mais il ne faut pas vivre, comment on dit ça, sans scrupules, sans pudeur. C'est-à-dire tu vis comme ça, là, ça ne te dit rien. Comme Dieu a dit ça, il est obligé de faire. Non, frère, il faut respecter Dieu. Et la première des choses, la première condition pour être agréable aux yeux de Dieu, c'est la repentance. Dieu aime le cœur repentant, frère. Dieu aime le cœur repentant. Faut te repentir sincèrement devant Dieu. Demande du pardon. Dis du Seigneur, je veux que tu viennes matérialiser, concrétiser tes promesses dans ma vie. Guide mes pas afin que ta promesse que tu as dite dans ma vie se matérialise, se concrétise. Pour que les hommes sachent que tu ne mens point. Tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu capable, tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu réel qui existe. Crie à Dieu comme ça, il va répondre. Mais Dieu ne ment jamais. Il accomplit toujours ses promesses, frères et sœurs. Ne sois pas découragé. Cherche sa face. Cherche sa face. Quelles que soient tes fautes, tes erreurs, tes péchés, cours derrière lui. Il n'y a que lui seul qui est le véritable abri. La Bible dit que celui qui place sa confiance en l'Éternel ne sera jamais confus. Celui qui bâtit avec l'Éternel bâtit sur un roc, frères et sœurs. Fonce avec le Seigneur. Laisse les critiques des hommes, laisse les gens te piétiner, laisse les gens te malmener, mais crois en la prophétie de Dieu. Quand il parle, il réalise un comportement noble vis-à-vis de Dieu. Sois correct vis-à-vis de Dieu. Tu verras que sa prophétie s'accomplira certainement dans ta vie, frère. Dieu ne ment pas. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas des jeux. Ce n'est pas un jeu. Il est réel. Il est puissant pour accomplir ce qu'il dit, frère. Ouais. Donc toi aussi fonce. Ne te décourage pas. Cherche sa force. Tu as un habit. Tu as deux habits. Cours, cherche sa face. Ne regarde pas aux hommes de Dieu, ne regarde pas aux gens. Dis-toi que Dieu a dit quelque chose dans ma vie, il doit réaliser. Respecte les hommes de Dieu, respecte les autorités spirituelles. Et cours vers lui, cherche. Mais ne garde pas la prophétie en allant calomnier les hommes de Dieu, insulter les gens parce que Dieu a dit des choses dans ta vie. Être orgueilleux, être enflé, être gonflé. C'est très difficile que tu rentres en ligne, tu rentres dans l'accomplissement de ta prophétie et ce comportement. Parce que Dieu sait que s'il accomplit, tu ne vas même pas dire de la prophétie, tu mourras. Donc l'orgueil, la colère, la haine, c'est des choses qui ne doivent plus nous animer. Demande au Seigneur de t'aider, les filles, les femmes, les hommes. Aujourd'hui, le monde court à la perte à cause d'argent. Tout le monde court derrière les gains. Et puis les gains sordides. Or, si tu es avec Dieu sincèrement, tu es avec lui, amour véritable avec lui, il va toujours t'élever. Mais ne prends pas des raccourcis, t'es pressé, frère. Quand Dieu a parlé, il réalise, frère. Quand Dieu a parlé, il réalise. Reste fidèle à lui, reste accroché à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Lui seul qui peut changer ta vie. Aucun homme ne peut changer ta vie. Arrête de mettre ta confiance aux hommes. Parce que l'homme va te trahir. L'homme va te promettre ceci, cela, il ne fera pas. Mais quand Dieu promet, il fait. Arrête de mettre ta confiance aux hommes. Parce que l'homme te dira, je ferai ça pour toi, ça pour toi. À cause de son plaisir. Quand il finira ou quoi que ce soit, il ne fera rien pour toi. Mais seul le véritable Dieu, créateur du ciel et de la terre, quand il parle, il réalise parce qu'il est amour, parce qu'il est vérité. Frère, crois en la prophétie de Dieu. Car il ne ment point. Il est véritable, frère.
Sœur, ne te décourage pas, sèche tes larmes. Dieu est avec toi, man. Il va accomplir ton mariage. Dieu est avec toi, frère. Sœur, il va accomplir ton voyage. Dieu est avec toi, frère. Sœur, il va accomplir ta restauration. Dieu est avec toi, frère. Il va te donner du boulot. Il va te rendre grand parce qu'il est le véritable Seigneur Sauveur personnel. Son nom, c'est Yeshua. Son nom, c'est l'Éternel Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Restez bénis, frère. Restez bénis. Dieu est Dieu. Dieu accomplira toujours ses promesses en ta faveur. Reste béni. Reste béni. Reste béni. Reste béni. Plaisez.